La fille et son chat. Il était une fois une fille qui avait un chat. Les deux étaient inséparables et passaient beaucoup de temps ensemble. Le chat accompagnait sa maîtresse partout où elle allait. Un jour, la fillette trouvait un raisin sec en faisant le ménage à la maison. Et comme d'habitude, elle voulait le partager avec son chat. Elle se mit à appeler son chat, mais le chat n'est pas venu. Et la fille a mangé le raisin toute seule. Plus tard, le chat revient à la maison et demande « Pourquoi tu m'as appelée, maîtresse ?» Mais comme la fille a déjà mangé le raisin, elle ne voulait rien dire. « Si tu me dis pas, je renverse ton lait !» dit le chat en colère. « Si tu renverses mon lait, je te coupe ta queue !» dit la fille. Le chat, en colère, jeta le lait par terre. La fille, à son tour, coupa la queue du chat. Le chat, qui regrettait, demanda à sa maîtresse « S'il te plaît, rends-moi ma queue !» Mais la fille lui répond « Rends-moi le lait et je te donnerai ta queue. » Chat vient vers la vache et demande « Ma chère vache, peux-tu me donner un peu de lait, s'il te plaît ?» La vache lui répond « Oui, mais je dois manger pour faire du lait. Apporte-moi des feuilles fraîches et je te donnerai du lait. » Le chat trouva un bel arbre et demanda « L'arbre, mon ami, peux-tu me donner un peu de tes feuilles ?»« Oui, lui a répondu l'arbre, mais j'ai tellement soif !» Le chat est parti chercher de l'eau. Sur la route, il voit les filles avec les seaux et demande si les filles peuvent lui donner un seau d'eau. Mais pour cela, les filles voulaient des bonbons. Le chat vient dans un magasin et demande si le gérant peut lui donner des bonbons. Je peux te les donner, mais à la place, j'ai besoin des œufs. Et le chat part chercher des œufs. Le chat trouve une poule et demande quelques œufs. À la place, je veux un peu de graines, dit la poule. Le chat, désespéré et fatigué, perd le moral. À ce moment-là, il aperçoit une souris qui passe juste à côté de lui. Le chat saute sur la souris et l'attrape. « Trouve-moi un peu de graines, sinon je te mangerai, » dit le chat. « J'ai un peu de graines chez moi, » dit la souris. Et le chat laisse la souris aller chercher les graines. La souris apporte un petit sac de graines et le chat court avec voir la poule. La poule est contente et donne des œufs au chat.
Le chat apporte des œufs au magasin et reçoit ses bonbons. Ensuite, le chat donne les bonbons aux filles qui donnent l'eau à leur tour. Avec l'eau, le chat arrose l'arbre et l'arbre donne ses feuilles. Et la vache, qui a mangé les feuilles, toute contente, donne enfin son lait au chat. Le chat emmène le précieux lait à la fille qui lui rend sa queue. Et les deux amis se réconcilient. À la fin de cette journée fatigante, le chat a compris une chose. Il faut jamais prendre ses décisions en colère. Fin d'histoire.